Il faut que la classe politique bouge, il faut que la communauté internationale se mobilise. Il faut qu'on réalise que ce qui se passe, c'est grave. C'est pas juste de la défense d'Israël. Les élus doivent aussi intervenir dans le domaine de la solidarité, surtout pour infléchir un peu la position de notre gouvernement et dire à notre gouvernement que la vraie paix et la vraie justice, ce sera par une position beaucoup plus équilibrée, une position qui dit à Israël, arrêtez votre bombardement, arrêtez le génocide du peuple désarmé à Gaza.